Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple. On va parler du plan séquence. Parce que oui, suite à la sortie de 1917, j'ai vu beaucoup de gens, je dirais pas faire les chipoteurs, mais bien mettre en avant le fait que, ah oh ben dis donc, 1917, ça se voit à 10 km que c'est un faux plan séquence, c'est inadmissible, tout le monde l'a vendu comme un seul plan séquence, mais. Est-ce que tout le monde avait dit ça à l'époque de Birdman? Est-ce que les gens se sont plaints à l'époque de Gravity? Enfin, on s'en doutait que ça serait pas un seul plan. Enfin, c'est ça en fait que j'ai pas compris. J'ai vu plein de gens dire, oh non, mais c'est un faux plan séquence, la promo, elle s'est mal vendue. Enfin, ça semblait un peu évident. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être mon œil crédule de cinéphile qui sait un petit peu à quoi s'attendre lorsqu'on lui vend un plan séquence. Il sait très bien qu'il va y avoir des coupes, qu'il va y avoir des raccords, que ça peut pas être fait d'un seul coup. Surtout l'ambition et la visibilité du long métrage, ça peut pas être possible. Donc, je comprends pas pourquoi certaines personnes se sont autant emballées et ont autant mis en avant tout de suite le fait que, ah oh non, c'est un faux plan séquence. Enfin. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous présenter trois œuvres artistiques, audio et visuelles, qui sont des plans séquences, mais des vrais plans séquences. Des plans séquences qui n'ont pas de coupe au montage ou en post-prod ou sur le plateau, et qui ont été tournées en une seule fois. Comme ça, après, vous pourrez vous vanter de dire, ah mais moi je connais un film qui a réellement été tourné en plan séquence et où il n'y a pas de coupe et où c'est vraiment, c'est pas une fausse pub, c'est vrai. Et bien grâce à ça, vous pourrez peut-être le faire. Et je vais participer à faire des conversations d'apéro, ça va être génial. Bon, je vais vous présenter le premier. Le premier film que je vais vous présenter qui a été tourné en plan séquence est un film allemand, qui date de 2015, et qui, je me rappelle, lorsque je l'ai vu en salle, je me suis dit, c'est une vraie performance technique. Bon, j'ai aussi reconnu également, et je me rappelle très bien dans la vidéo, que j'avais trouvé l'histoire très anecdotique, que j'avais trouvé que le film n'était pas très équilibré, et que franchement, pour 2h15, on voyait un peu le temps passer. Mais ça reste un plan séquence tourné en une seule fois, et le film s'appelle Victoria, réalisé par Sebastian Schipper, dont dernièrement on a également parlé, un de ses nouveaux films. C'est un film qui, du coup, a été tourné en une seule fois. Alors, j'ai fait un petit peu mes recherches quand même, et il s'est avéré qu'il y a eu une énorme préparation autour du film. Qu'ils ont vraiment fait attention à tous les détails, qu'ils ont essayé de ne rien mettre de côté et qu'ils ont fait énormément de répètes pour pouvoir ensuite le tourner. Parce que dites-vous du coup que le film dure 2h15, qu'il a été tourné donc en un seul plan, et donc faire un film de 2h15 en un seul plan, ça demande énormément de prépa. Hein. J'ose pas imaginer comment on devait avoir envie de s'arracher les cheveux le premier assistant réalisateur, parce que honnêtement, il a dû paniquer toutes les 3 secondes. Et l'assistant de prod, ça devait être pareil, les réalisateurs, ils devaient se, pardon du terme, se chier dessus. Parce que honnêtement, 2h15 de film, tu fais un seul plan séquence, et si jamais il y a une merdouille, vu que c'est dans ton ambition de mise en scène, tu fais pas de raccord, ben ça veut dire on recommence. Et je crois, si je ne me plante pas, qu'ils ont fait 5 ou 6 prises. Et que c'est la cinquième ou la quatrième prise qui a été gardée, la sixième ayant eu un petit souci, je crois, en fin de tournage. Mais donc vous imaginez, c'est 5 jours. 5-6 jours de tournage, donc finalement ça représente pas grand-chose, mais où tu fais toute la préparation pendant la nuit et où pendant 2h15 tu flippes. Et moi je trouve ça impressionnant parce que du coup ici ça se ressent que Victoria a des petites maladresses. Ça se voit que par moments il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui se sont passées sur le plateau. Par moments c'est assez rigolo, par d'autres moments on est juste en train de se dire oh la vache, ça fait cheap, oh, ça marche pas. Et au bout du compte, on arrive quand même à se dire que c'est puissant, parce que ça évoque plein de choses. Je pense à un truc tout bête, mais le fait d'avoir un plan séquence donc qui n'a aucune coupe comme ça donne lieu par exemple à une scène d'amour qui arrive au bout de, je crois, 1h45 de film, et où cette scène, du coup, il n'y a pas de coupe, et où il n'y a pas de raccourci, où elle ne semble pas coupée en plein dans le vif, où on a l'impression, comme souvent dans les longs métrages de cinéma, où le rapport entre deux personnages dure 5 minutes, et où on se dit donc, ils se contentent de peu hein, dans les films. Hein. Ça me semble toujours aussi surprenant. Mais où du coup, là, la scène dure quand même 10-15 bonnes minutes et où on est vraiment avec eux. On est dans leur intimité. Et je trouve que c'est ça, en fait, la grande réussite de Victoria. Je trouve pas que Sebastian Schipper ait réellement réussi à transcender son idée de base. Ça reste un plan séquence, un seul, et c'est vraiment monumental et c'est impressionnant.
Je trouve juste que derrière, il est trop dans l'anecdotisme, qu'il n'arrive pas à transcender ça et que du coup, on se retrouve devant un long métrage qui est une vraie performance technique, mais ne dégage pas grand-chose de plus que ça. Mais derrière, par cet hyper-réalisme, par cette puissance et par cette envie de vouloir absolument, du coup, en faire une performance technique, il arrive à trouver plein de petites idées comme ça qui fonctionnent à l'écran et qui fait que du coup, on se dit, waouh, c'est ok, c'est maladroit, mais c'est démentiel. Et c'est vraiment démentiel pour le coup de regarder Victoria parce qu'on se dit vraiment qu'on a un metteur en scène qui a une putain d'ambition et qui cherche absolument à la mettre en place à l'écran. Et que même si derrière ça se voit que c'est un petit peu limité parce que c'est un seul plan et donc du coup il y a forcément une merde qui s'est passée quelque part et donc du coup bah ça fait qu'on s'en rend compte un petit peu à l'écran, mais c'est ambitieux, c'est puissant, c'est intense et ça se vit. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de saluer le geste de Sébastien Schipper. Et donc voilà, on est sur un premier film qui a été tourné en un seul plan séquence, où il n'y a pas de coupe de montage, où il n'y a pas de raccord, et où là, du coup, on est constamment avec les personnages et on ne les quitte pas. Le deuxième film dont je vais vous parler est donc un long métrage qui est sorti il y a peu de temps, un an et demi, je crois, à peine, et qui revenait sur un événement tout de même assez marquant. Un attentat qui avait eu lieu sur une petite île et dont assez surprenamment le film avait eu droit à, enfin, le sujet avait eu droit à deux adaptations cinématographiques, une sur Netflix et une sortant en salle, une beaucoup plus impressionnante et l'autre beaucoup plus intime. Mais donc cette fameuse version intime, réalisée par Eric Pope qui se nomme Utoya 22 juillet, est également un seul plan séquence. Et là, qu'est-ce que c'est impressionnant? Autant sur Victoria, il n'y a vraiment que le côté technique qui ressort et où on se dit 2h15, un plan séquence, c'est monumental. Eric Pope, ici, fait un film beaucoup plus court, 1h30, bien tassé, et choisit donc de faire un plan séquence. Et là, mais il te crée une tension qui est palpable à chaque seconde et qui, moi, m'a sidéré et je me suis vraiment dit waouh, c'est vraiment ambitieux. Et au-delà de l'ambition, c'est vraiment marquant. Ça impressionne, ça imprime une peur constante dans l'esprit du spectateur et ça embarque totalement le spectateur. Enfin, je veux dire, on est tellement à fleur de peau des personnages, on est tellement constamment collé à eux, on est tellement dans le ressenti que du coup, ça fait que l'émotion est vraiment acerbe. Et comme je l'avais dit à l'époque, je ne trouvais pas forcément que le film était flamboyant dans son écriture et du coup, il se limite un petit peu je dirais pas au même caractère, mais à la même nécessité de composition, le fait de faire des raccourcis, de se centrer uniquement sur un personnage, etc. Et donc du coup, on se disait, c'est quand même très classique et convenu comme manière de faire. Mais l'avantage, c'est que le sujet, la manière avec laquelle il est raconté, le côté très anxiogène parce qu'on est enfermé sur une petite île et qu'on a l'impression que les personnages ne pourront jamais s'en sortir, tout ça, aligné, font que on est complètement dedans. Et on n'en ressort pas du tout. Et moi, j'ai trouvé ça assez génial parce que, ouais, c'est vraiment des films devant lesquels on est complètement happé et où on n'a pas envie de sortir et où on se dit, waouh, c'est démentiel d'arriver à faire des longs métrages comme ça. Et où on se dit vraiment que c'est marquant, que c'est imposant, que. Et là, on est vraiment encore une fois sur un plan séquence. Bon, c'est 1h30, donc du coup, c'est moins, on va dire, relié. Comment je pourrais dire ça à une contrainte de tournage beaucoup plus forte parce qu'en plus, le fait qu'ils tournent en journée, ça fait qu'ils peuvent retourner ça plusieurs fois dans la même journée. Mais je crois qu'ils ont fait une dizaine de prises là par contre. Je me souviens que le producteur nous avait parlé de ouais, 10-12 prises, ce qui reste quand même hyper impressionnant parce que tu te dis 10-12 fois 1h30 durant lesquelles, encore une fois, t'es comme ça si jamais il y a une couille dans le tournage. Et ouais, de ce qu'il disait en plus, les deux premières prises étaient vraiment pas bonnes parce que les acteurs n'étaient pas dedans. Et ils n'arrivaient pas à trouver en fait ce qui pouvait les pousser à se dépasser en termes de jeu. Et ils avaient un peu la sensation qu'ils étaient vraiment juste en répète et en train de se dire, ouais, bon, on tourne un film, on se calme. Et ensuite, ils ont trouvé quelques petits artifices, quelques petits jeux qui surprenaient les acteurs et qui faisaient que d'un seul coup, leur jeu avait un peu plus de spontanéité. Et c'est peut-être ça en fait la plus grande trouvaille que tu peux faire lorsque tu es un auteur et que tu as envie de faire un plan séquence. C'est de trouver des petits trucs pour dynamiter un petit peu ce qui est classique à la base dans le jeu de tes acteurs ou dans ta mise en scène et créer de la surprise pour qu'à l'écran, ça semble encore plus fort et plus spontané.
Et il y a plein de personnes qui s'amusent à faire ça aujourd'hui, à faire des choses qui, sur le papier, ne sont pas prévues dans le tournage pour ramener de la spontanéité un petit peu dans le jeu des acteurs ou dans la manière avec laquelle on va filmer ça. Et c'est ce qu'a fait Eric Pope à l'époque. Il a vraiment choisi de dynamiter un petit peu sa base de mise en scène pour créer des instants de surprise où ses acteurs n'allaient plus être dans le même mood qu'ils étaient dans la première ou la deuxième prise et donc du coup créer de la spontanéité et de la nouveauté. Et moi, du coup, c'est ça que je trouve quand même impressionnant, c'est que on est sur quand même un vrai pari technique, et pour autant, le réalisateur, il se donne à fond pour faire en sorte que ses acteurs ne soient pas enfermés là-dedans. Et ça donne lieu, du coup, à un super plan séquence, encore une fois, et un vrai plan séquence de 1h30. Donc là, on en est à deux. Et alors, le dernier, ce n'est pas un film. J'ai bien dit œuvre artistique, audio et visuelle au début. Et j'avais envie du coup de me centrer sur autre chose et de mettre en avant un jeu vidéo. Et oui, God of War, qui a reçu un paquet de prix du coup l'année dernière, est un plan séquence. Un seul plan séquence. Bon, c'est du jeu vidéo, donc on n'est peut-être pas sur l'idée de oh dis donc, ils n'ont pas fait de raccord ou des choses comme ça. Ils ont certainement fait des raccords, ça je suis d'accord, mais ça ne se voit pas. Et c'est vraiment impressionnant. Je sais pas pour ceux qui ont déjà joué à God of War, vous allez certainement dire que vous avez trouvé ça aussi impressionnant, mais du coup, ça amène un côté irrespirable à la fin, dans le sens où on est tellement plongé dans l'action qu'on est constamment en train de retenir son souffle. Et même la manette entre les mains, on est en train de se dire, oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas continuer, si ça continue. Enfin, par exemple, le combat avec l'étranger au début, on est exactement là-dedans. Hein. Si ce morceau-là avait été coupé, avait été cuté, avait eu des raccords ou des choses comme ça n'aurait pas marché. Ça aurait clairement pas marché. Et on est un petit peu, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais God of War 3, il y avait un petit peu déjà cet esprit-là dans la mise en scène. En tout cas au début, pas forcément par la suite parce qu'il y avait certaines coupes, mais au début, on était dans la séquence où les titans montent sur l'Olympe pour rejoindre Zeus. On était aussi dans cet esprit-là de plan séquence où la caméra montait tout en haut pour voir Zeus, puis redescendait tout en bas. Il y avait quelques coupes, mais il y avait quand même déjà cette ambition. Mais là, du coup, ça se voit que les mecs de chez Santa Monica, ils avaient envie de te faire mais l'expérience visuelle et vidéoludique la plus totale possible. Et il y a ce côté un peu cinématographique de amener le plan séquence, même au sein du jeu vidéo, et donc du coup faire en sorte de créer une immersion forte. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que honnêtement, contrairement au film où je peux vraiment vous évoquer le tournage, etc., là, c'est plus le genre de choses où il faut avoir la manette entre les mains, le tester et se rendre compte d'à quel point là, le plan séquence sert quelque chose d'assez différent. Là où dans les films, c'est vraiment pour servir l'immersion, là, on est plus dans se mettre à la place du héros. C'est même plus de l'immersion, c'est encore plus profond. C'est vu qu'on a la manette dans les mains et qu'on fait les actions du personnage, vu que c'est un plan séquence et donc du coup qu'il n'y a aucune coupe, on se met à la place du héros. Et donc du coup, on vit une expérience encore plus intense, encore plus forte, encore plus premier degré. Et ça fait que du coup, on rentre complètement dans le jeu vidéo. Donc, je m'attarde pas trop là-dessus, mais honnêtement, rien que pour l'idée du plan séquence, moi je trouve ce jeu réellement ambitieux. Et en tant qu'œuvre vidéoludique et en tant qu'œuvre audio et visuelle, ça reste quand même très ambitieux de faire un plan séquence. Et en plus, voilà, vous pourrez briller, vous avez trois films et jeux vidéo qui ont des plans séquences à l'intérieur. Bon, du coup, je vais vous laisser tranquille, mais voilà, j'avais envie juste de rebondir là-dessus parce que, encore une fois, je vois plein de gens se plaindre de 1917, nanana, regardez, il y a les coupes de montage là, je suis pas sûr qu'elles sont là, oh là là. Mine de rien, rappelez-vous tout de même que 1917 reste une œuvre complètement démentielle parce qu'elle a tenté de faire un plan séquence, peut-être faux, mais ça reste un plan séquence qui a une vraie ambition de composition, de mise en scène, de jeu entre ce qui se passe à l'écran et le spectateur. Enfin, ça reste pour moi une œuvre tellement atypique, tellement forte, tellement intense, tellement juste, que du coup, j'ai pas envie qu'on s'attarde sur le fait que oui, il y a des raccords dans le plan séquence, mais ça reste un seul plan séquence. Et oui, il y a peut-être des coupes, mais sur le papier, on ne les voit pas. Et rien que pour ça, bah, ça vaut le coup d'être salué. Mais donc derrière, voilà, si vous voulez briller en société et balancer quelques noms de films qui ont été tournés réellement en un seul plan séquence, Victoria, Utoya 22 juillet, et en jeu vidéo, God of War. Mine de rien, ça reste quand même quelques petits trucs sympas. Bon, d'ici là, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus et bon week-end!
Ouais, puis moi, je vais retourner jouer à ça.